Alors bonjour, donc la première question, je pense que vous vous rappelez par rapport au cours précédent. Donc l'homme, l'être humain et les grands singes, ils ont une caractéristique que les autres animaux n'ont pas. Ben, le cerveau, il a tellement évolué que maintenant, tout le monde, il en a un. Pouvez-vous me dire, me parler par rapport à Lucie? Alors, Lucie, c'est un Australopithèque. Austral, ça veut dire du sud, et Pithecus, ça veut dire le premier singe ou le singe en grec. Alors, en fait, pour se déplacer, elle avait un dérangement de 40 degrés, et donc elle perdait souvent son point d'équilibre, et elle se... Enfin, c'est l'ancêtre des obèses. Alors, qu'est-ce que l'évolution exponentielle? Bon, alors, je vais un peu reformuler ma question. Par exemple, si je vous dis qu'en l'espace de 10 000 ans, on a découvert le feu et on a pu cuire de la viande pour manger de la viande jaune. Mais à côté de ça, au 19e siècle, on a eu 60 ans pour découvrir une fusée pour aller dans l'espace. Donc, ça vous évoque quoi? Les logarithmes. Une question supplémentaire. Donc, tu me parles de ce que tu veux par rapport au cours, ce que tu as appris. Ben en fait, l'évolution de la vache, en fait, c'est que au Moyen Âge, ben on croyait que les vaches, ça tombait par demi du ciel, que ça se reformait, et puis ben voilà, les gens se baladaient avec des parapluies pour éviter les demi-vaches qui tombaient du ciel, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer le phénomène de l'effet de serre? L'effet de serre. L'effet de serre. L'effet de serre, c'est le réchauffement climatique. Donc, les glaces du nord et du sud ont fondu. Ça a fait plein d'eau qui a fait monter le niveau de la mer, qui a prévenu sur les pays. Qui ont été inondés, il y a eu plein de morts et mais enfin moi je trouve que c'est pas si grave parce que finalement le chômage a baissé quoi. Entrez. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous me dire qui est Darwin? Darwin, c'est un grand fabulateur, un menteur. Depuis le début, il a fait croire à tout le monde qu'on descendait des animaux, des primates, de je sais quoi encore, des fabulations. Moi et un insecte de la même famille. Mais vous êtes fous, quoi. On descend tous d'Adam, tout le monde le sait, c'est évident, mais personne ne veut le voir. Et à cause de ça, on se tape tous dessus, on se viole, on se maltraite à cause de nos bêtes instincts. J'y crois pas, monsieur. Mais vous êtes bête ou quoi? Sérieusement? C'est un signe, monsieur. Faut arrêter de travailler, arrêtez. Mais venez avec moi, je vais vous aider. C'est important d'aller voler. Monsieur? Monsieur? Monsieur?